Bonsoir à toutes et à tous, 19h, Magie Jazzy, YouTube, et bien c'est parti. Ce soir on se retrouve de nouveau pour des tours de cartes, et bien sûr d'un auteur dont je vous ai parlé la semaine dernière, John Ballon et son livre Monsieur Fantastique. En fait j'ai choisi de vous présenter une succession de tours, une succession d'assemblées d'as, qui sont dans son chapitre, en fait dans son premier chapitre de ce livre. Le premier chapitre s'appelle Bullet Train. Donc c'est vraiment une succession de trois assemblées d'as, et puis moi j'en ai rajouté une à la fin, j'ai eu une idée comme ça, bon après vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, souvent de fois on nous demande est-ce que vous pouvez refaire le tour plusieurs fois, et bien là c'est exactement la même chose à chaque fois, c'est-à-dire c'est trois par avoir quatre assemblées d'as, mais avec quatre méthodes différentes. Enfin voilà, en tout cas, soyez attentionnés sur les trois premières méthodes, qui sont celles de John Ballon, moi c'est un petit plus, voilà, c'est une idée comme ça, bon vous me direz ce que vous en pensez quoi. Bon, si vous êtes intéressé par ce livre, il vient juste de sortir, il est disponible chez l'éditeur, il est disponible aussi chez CC Magic bien sûr. Vous trouverez de toute façon tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir les promotions, etc. Mon livre qui est toujours en vente bien sûr, et mon jeu de cartes, tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Lui et je ce soir nous propose un jeu très original, Sky Team. Alors c'est de Luc Raymond, ça se joue à partir de 14 ans et plus, uniquement pour deux joueurs et ça dure 20 minutes. Les plus du jeu, eh bien, c'est un simulateur de vol, surtout simulateur d'atterrissage d'avion du très rarement vu en jeu de société. Ensuite, c'est un jeu coopératif uniquement de deux joueurs où la tension avant l'atterrissage eh bien, sera vraiment palpable autour de la table. Et puis enfin, la communication sera possible mais restreinte à la difficulté et la difficulté viendra en fait de savoir prendre les meilleures décisions pour effectuer cet atterrissage. Si vous voulez des précisions, je vous mets une vidéo complémentaire dans la description, Ludovox Ludo Chrono, sinon www.guyage.fr, les boutiques, vous les connaissez. Je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas, vous pouvez encore poser vos questions dans la FAQ, voilà. Et puis j'essaye d'y répondre eh bien, la semaine prochaine, début novembre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage, en vous souhaitant un très bon samedi soir, de très bonnes vacances d'Halloween, et je vous dis bien évidemment la semaine prochaine. Ciao. Bon, allez, c'est parti. Donc, jeu de cartes. Ok, parfait. Très bien. Petit mélange. On va avoir donc besoin, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est une assemblée d'as. Donc, on coupe à peu près là. Et on devrait avoir normalement, voilà, les quatre as. Comment? Ah oui, le quatrième, il faut retourner là. Oui, c'est plus rigolo. Bien, donc on a bien quatre as, comme ceci. Et puis donc, quelques cartes, hein. Voilà, donc le reste du jeu on le laisse là, parfait. Donc comme dans toute assemblée d'as, eh bien, on utilise donc 12 cartes et 4 as. D'accord. Alors c'est marrant parce qu'on utilise toujours l'as leader, je sais pas si, enfin l'as leader, l'as de pique. Ok. Mais c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va mettre l'as, ici à peu près là. Non, je vais le laisser comme ceci, d'accord. Et puis alors, les 3 autres, 1, 2, 3, comme ça, on va le mettre là. Voilà, parfait. Ok, et puis on va distribuer donc bien sur chaque paquet en fait. Alors je vais le faire dans ce sens là. Ok, je vous laisse bien regarder trois cartes quelconques. Voilà, que je mets ici. Une, deux, trois cartes quelconques que je mets là. Et puis une, deux, trois cartes quelconques que je mets là. Et donc forcément ici je mets 1, 2, et 3 as sur le quatrième as, ou ce que je vous rassure tout de suite ici, ce ne sont que des cartes quelconques. Merci beaucoup. Alors généralement quand on me demande est-ce que vous pouvez le refaire une deuxième fois, eh bien je réponds toujours. Je réponds toujours oui en fait. Bah ouais, tout simplement. D'accord, donc on va se refaire des petits tas. Donc une, deux, trois cartes quelconques que l'on va mettre là. Une, deux, trois cartes quelconques ici. Une, deux, trois cartes quelconques bah, là. Et puis enfin une, deux et trois cartes quelconques ici. Et puis on a donc les quatre as. Donc 1, 2, 3 et 4 as sur chaque paquet. On égalise le premier ici, le deuxième ici, si on va prendre celui-là en leader, et puis les trois autres là. Marrant parce que si on fait juste ça, tac, on se retrouve avec les quatre as ici, et bien sûr ici on n'a que des cartes quelconques. Voilà. Si on vous pose la question, est-ce que vous pouvez le faire une troisième fois? Mais il n'y en a qu'un 6 hein, des fois. Ben répondez-leur que oui.
Tenez, regardez. On va mettre les as comme ça. Voilà. Tac. Parfait. Donc, et ben, trois cartes. On prend le premier as. D'accord. As de trèfle. Tac. Comme ceci. Parfait. On reprend trois cartes. Voilà. Donc, pardon, c'est bon. Donc, ouais, on va le mettre là. Bon, deuxième position, c'est bien. Tac. Parfait. Oui, encore trois cartes. Là. Tenez, je vous le décale bien comme ceci. C'est bon. Regardez. Là. Tac. Non, d'ailleurs, on va pas le mettre en deuxième. On va le mettre en troisième position. Voilà. Tac. Et puis enfin. Hop. Dernier as. Alors, c'est marrant parce que vous passez au-dessus des as comme ça. Et en principe, bah, là, vous avez un as, deux as, trois as et quatre as. Voilà. Et évidemment, ici, que des cartes quelconques. Et puis auquel cas, si on vous demandait de le faire une quatrième fois, je me suis dit, mais pourquoi pas une quatrième fois après tout? Bah oui, non, mais on sait jamais. Bah ouais, donc toujours, toujours 12 cartes, d'accord. 1, 2, 3 et 4 as. On garde l'as de pique en as leader. On va le retourner. Voilà. Et puis donc 1, 2, 3, les 3 autres as. Bien. Je mélange. Tac. Donc trois cartes quelconques ici. On va faire trois quelconques là. Parfait. Voilà. Et les trois dernières ici, les trois autres là. Parfait. On égalise. Et c'est marrant parce que ça va assez vite aussi. Hein. On s'aperçoit que très vite, on a les quatre as qui viennent ici et forcément là. Eh bien, on n'a que des cartes quelconques. Bon, voilà. Pour ce soir, vraiment, c'est terminé. Bonne soirée et bon samedi soir.